Mais salut, tu sais, je pour une breaking news donc concernant la WWE et qu'ils ont annoncé il y a quelques heures un nouveau lancement, donc un lancement de WWE Network. WWE Network va être une application où nous pourrons regarder plusieurs pay-per-view, donc toutes les pay-per-view de l'année en direct. Donc il y aura plusieurs trucs annoncés, donc bien sûr il faudra s'abonner. Je crois que c'est il était marqué 9,99 € par mois. Donc pendant 6 mois je crois, donc qui inclut des vidéos à la demande. Donc comme disait la WWE Network offrira tous les pay-per-view de la WWE, de la WCW, la ECW, ainsi que des matchs classiques intégraux et non censurés, donc des rediffusions de Raw, SmackDown, Main Event, pour plus de 250 heures de vidéos à la demande au lancement. Donc tous les épisodes, tous les programmes de Network sont disponibles immédiatement après leur diffusion. Première diffusion permettra aux spectateurs de regarder quand ils le souhaitent. Donc pour ceux qui rateront par exemple Monday Nitro ou quoi, ils pourront revoir tout qu'est-ce qui s'est passé depuis cette application et même le regarder entier. Donc cette application sera disponible le 24 février 2014. Donc voilà, les fans pourront s'inscrire à un abonnement à WWE Network dès 3 h du matin, le lundi 24 février, sur WWE.com. Il y aura une offre d'essai d'une semaine pendant un temps limité. Donc WWE Network est le tout premier réseau de diffusion 24 sur 24, 7 jours sur 7, pourra être regardé sur ordinateur via WWE.com. Donc pourra être aussi utilisé sur Xbox 360, PlayStation 3 et PlayStation 4. Puis aussi plusieurs autres applications. Donc WWE Network offrira également aux fans une expérience de second écran révolutionnaire pour tous les programmes originaux et les événements directs via l'application WWE, similaire à l'expérience interactive actuellement disponible pour les shows télévisés SmackDown et Raw. Donc cette application vous permettra de regarder en direct tous les shows de l'année. Donc ça c'est vraiment bien, surtout pour les voir en bonne qualité en HD. Donc ils vous offriront tous les gros matchs, vous pouvez regarder tout, vous offrira tout, donc inclut plusieurs autres petites applications. Donc le lundi et vendredi soir, WWE Network diffusera 30 minutes d'avant et d'après-show pour les programmes hebdomadaires de Monday Nitro et Friday Night SmackDown. Et Monday Night War, donc une série explosant des histoires réelles qu'ils ont initié la rivalité explosive de la WWE, de la WCW au milieu des années 90. Donc qui vous offrira de revoir les anciens, donc le Monday Night War qui a été la guerre entre la WWE et la WCW. Aussi le WrestleMania Rewind, donc une rétrospective des matchs les plus extraordinaires et les plus dramatiques moments de l'histoire de WrestleMania, donc incluant des vidéos et des interviews inédites. Donc cette application sera tout sur WrestleMania. Ensuite, l'application WWE Countdown, donc une série interactive d'une heure qui vous permettra, le spectateur à l'honneur en donnant au public l'occasion de discuter et d'évaluer les superstars les plus spectaculaires de la WWE, les moments inattendus, les meilleures devises et bien plus encore via vite numérique et interaction sur les médias sociaux. Ensuite, à partir d'avril, donc il y aura aussi WWE Legend House, donc les plus grandes légendes de la WWE se réuniront pour un nouveau titre. Sauf que cette fois, c'est hors du ring qui s'affronteront. Imaginez une belle maison de banlieue parfaitement meublée, un paysage sublime, une jolie piscine, des voisins tranquilles, des personnes du passé comme Roddy Piper, Tony Atlas, AXA, Jim Duggan vont s'y mettre la banlieue sens dessus dessous, tandis que l'équipe de la maison essaiera d'éviter les problèmes. Donc ce sera un peu, voilà, un show télé-réalité, désolé. Vous pourrez aussi suivre les autres shows comme WWE NXT, WWE Superstar, WWE Main Event. Donc vous pourrez suivre les replays, tout ça, les regarder en direct. Donc vraiment, cette application va nous donner vraiment pour pouvoir regarder en direct, savoir tout qu'est-ce qui se passe. Même si vous ratez, vous pourrez regarder en direct Raw, SmackDown, Superstar, Main Event, NXT, les pay-per-view de l'année. Donc voilà, ce sera à partir du 24 février. Donc c'était ça la grande annonce de la WWE qui a été annoncée hier soir à 3 h du matin. Donc avec Triple H,
Stephanie McMahon, Vince McMahon, John Cena, Stone Cold Steve Austin. Et voilà. Donc voilà, c'était l'annonce, donc un petit breaking news. Donc je vais peut-être en faire plusieurs comme ça, des breaking news, donc quand il y aura des grands annoncements et tout ça. Donc je vais, voilà. Je vais essayer de faire beaucoup de ça pour faire d'autres vidéos. Donc voilà. Allez, salut tout le monde!